Bonjour, je m'appelle Laetitia et je viens d'Île-de-France. Bonjour, je m'appelle Élise et je viens d'Alsace. Donc nous venons toutes les deux d'un bac ECD2A. Et nous sommes en première année de DNMAD mention spectacle, spécialité concepteur, réalisateur de costumes. Et donc nous sommes 13 dans la classe et nous venons toutes de filières différentes, de bac ECD2A, mais aussi de bac S, de bac L, ou de bac avec option art plastique, ou même de fac ou de DTMS. Alors, j'ai postulé dans cette filière parce que depuis toute petite, je baigne dans l'univers du spectacle, que ce soit à travers le théâtre, la musique ou la danse. C'est grâce au cinéma que j'ai eu l'idée de me lancer dans le costume, car c'est un univers qui n'a aucune limite, que ce soit en termes de créativité ou d'imagination. Et moi, j'ai décidé de venir dans cette filière, car tout d'abord, j'adore le monde du spectacle et le milieu de la performance. Mais aussi, j'adore analyser le personnage et le costume, et donc cette filière me permettait de combiner les deux. Alors le premier projet de l'année, c'était Marquoir africain, et donc le sujet c'était de détourner un abécédaire en s'inspirant d'étoffes africaines. Donc nous sommes allés au musée de la toile de Jouy pour voir une exposition sur la fibre africaine. Et ensuite, c'était le moment de l'année où on a appris les fondamentaux dans toutes les matières. Donc, en atelier, nous avons vu les bases de couture, les points mains, les points à la machine et aussi les systèmes d'assemblage. En outils créa, nous avons vu le graphisme et la couleur. Mais aussi, nous avons fait un workshop sur la teinture naturelle et la sérigraphie. Et en lettres, nous avons vu la culture africaine pour diversifier nos connaissances. Travailler sur le standard. Nous avons mis en œuvre les fondamentaux qui consistent à passer du plat au volume, en étudiant les principes de patronage et de coupe. Pour cela, nous avons réalisé une chaussure, un buste et nous avons étudié la jupe de base. Tout au long de ce projet, nous avons retranscrit ce qu'on a appris dans un carnet de bord que l'on a aussi travaillé en lettres. Dans le temps 3, nous prenons ces fondamentaux que nous avons acquis en patronage et en coupe pour les adapter à un modèle de base qui est la blouson en jean pour le personnage de Roméo ou de Juliette. Et donc, nous nous engageons vers des contraintes esthétiques et de sens en vue d'appliquer les savoir-faire à un but dramaturgique. Nous sommes donc allés à la Cité des Sciences pour voir l'exposition sur le jean. Et nous commençons maintenant à analyser le personnage. Alors, en début d'année, nous avons eu l'occasion de rencontrer les deuxième et troisième années, ce qui nous a permis également d'avoir un lien avec eux. Les deuxièmes années viennent régulièrement nous rendre visite, histoire de discuter du projet que nous avons en cours et de leur expérience personnelle. Nous avons également eu l'occasion d'assister aux premiers oraux des mémoires des troisièmes années, ce qui nous a permis d'avoir un aperçu sur la suite de notre parcours.